Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler du toucan. Sa beauté en fait un des oiseaux les plus populaires de toute l'Amérique du Sud. Le toucan est en effet un oiseau qui vit dans la forêt amazonienne. Il aime particulièrement les forêts marécageuses. Ses plumes sont noires, blanches, rouges et jaunes. Des cercles bleus entourent ses yeux. Il possède un bec impressionnant, long de 20 cm, soit un tiers de sa taille. Il est généralement de couleur orange, rouge, parfois verdâtre sur les côtés. Malgré son apparence, son bec est très léger car creux à l'intérieur, ce qui est essentiel pour qu'il puisse voler. Le toucan est un oiseau arboricole, c'est-à-dire qu'il passe la majeure partie de son temps perché à la cime des arbres. C'est un oiseau agile qui préfère se déplacer en sautant de branche en branche. Il ne vole que pour effectuer de longs trajets. Le toucan est frugivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit principalement de fruits. Son gros bec lui permet de casser les fruits. Il consomme également quelques insectes et des œufs qu'il trouve en allant piller le nid des autres oiseaux. Le toucan a peu de prédateurs lorsqu'il est adulte. Les singes ou certains serpents peuvent cependant piller son nid. L'homme est en fait son plus grand danger. Il détruit la forêt, lieu de vie des toucans, et il les chasse parfois sans aucune retenue. D'ailleurs, à cause de l'homme, les toucans ont déjà disparu de certaines zones, du Brésil ou de la Guyane par exemple. Le toucan est un oiseau qui aime vivre en groupe. C'est un grand joueur. Un de ses jeux favoris, c'est se pousser avec un autre toucan jusqu'à ce que l'un des deux perde l'équilibre. Je vous donne rendez-vous demain, à la même heure, pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.